Du coup, changement des nus et nus titulaires cette fois-ci. Ouais, pour le moment, 3 personnages de rentrée. Pour Hagrid, 2 pour Ménalt. Le spectateur qui est bloqué. Ah, voilà, ça y est, 4 personnages des deux côtés. Mais le truc que je trouve bizarre, c'est que le sacrilleur là d'Hagrid, il s'appelle Capitaine Ama, et sur Goulta, et alors que sur Hagrid, il s'appelle Capitaine Amakna. Ils ont rien. Ouais, je crois ils ont. C'est pareil pour Bruna, donc ça s'appelle Bruna Bo. Ouais, bah ouais, parce que. Ouais, mais. C'est bête. Ah, voilà, donc. Apparemment. Ménalt qui a l'avantage et qui décide de faire jouer le second Zobal premier. Donc du coup, du côté de Ménalt, Chiop, Oza, Steamer, Zobal, ouais, une team basée sur le soin et les boucliers, avec un petit peu de rocks quand même. Et sinon pour Hagrid, Sacri, Enu, Roublard et Sram. Un Sram d'ailleurs qui rocks énormément. On a pu voir ses poisons au premier match et il y a quand même eu du poison à 500. Ah oui. Donc, ouais. Donc ce qu'on a pu voir au premier match, Sramer, Roublard haut et Sacri haut apparemment. Que pourtant la Grèce ils avaient quand même des jolis adversaires au premier tour. La Grèce ils avaient quand même une jolie équipe en face et ils nous ont quand même pas mal impressionnés. Hein. Ouais. Leur technique avait été de co-op Loza dès le deuxième tour et de focus ensuite Loza. À mon avis, l'équipe de Ménalt a sûrement regardé le premier combat de Hagrid et vice-versa. Ouais, donc du coup, peut-être que Hagrid a décidé de jouer différemment. Pareil pour Ménalt. Ah, du côté de Ménalt, les résistances de parcelle de Zoba, en fait, c'est correct. Ouais, et niveau de... Ménalt full on 6 à part le Yop en 12-6. Voilà un point de bouclier directement à 1000. Ouais, et du côté de Ménalt, ils ont quand même pas mal de vita. J'ai regardé apparemment premier tour Ménalt. Enfin, premier combat, ils ont. Premier combat, ils ont fait une victoire parfaite. Ouais, c'est ça, ouais. Full on 6. Du coup, ouais, bah, sûrement un piège d'Imo dès le premier tour, forcément. Non, piège de silence. Ah, peut-être. Non, 153 de tac, toujours. Ouais, le SRAM qui décide donc que, apparemment, de continuer à jouer. Hein. Piège d'Imo, du coup, ouais, 153 de tacle pour le SRAM. On va plus avoir les résistants. Alors, pour le SRAM, il donne que en 39, 20 R. 15 5 R. Pour Robinet, je sais plus comment il s'appelle. C'est un roublard. Ah, voilà, le roublard. 19 mètres, 25 R, 15 20 26 R. Pour le Lenny, 13 mètres, 4, 13 R, 23 feux, 40 O, 25 R. Quand même, une résistance en haut. Et pour le Sacrieur, 13 mètres, 32 feux. 17 R. Pour le Yop de Ménalt, 15 9, 15 R, 25 E, 10 O, 25 R. Pour l'Oza de Ménalt, 27 9, 37% R, 40% E, 47% O,
et 40% R. Ouais, des grosses résis là pour l'Oza. Plus de 40% dans chaque élément sauf bon en neutre. Pour le Steamer, 8 en neutre, 21 en terre, 38 en feu, 7 en eau et 32 en air. Et enfin pour le Global, 19 neuf, terre, 15 feu, 24 eau et 26 air. Ouais, et apparemment le Yop qui joue donc en Strigide, pas mal de Yop en Strigide cette année, du Yop feu terre vu, ouais bah c'est moins 20 résistance critique forcément. Donc du côté de Hagrid, le Roublard qui joue haut, Sram R, je sais, ah non apparemment un sacré terre cette fois-ci, ou peut-être multi, hein, je sais pas. Mais bon, le truc, c'est que jouer multi avec un sacré, il faut lancer pas mal de châtiments et du coup, tu prends pas mal d'érosion. Vaut mieux plutôt jouer un seul élément. Donc du coup, apparemment, le sacré qui doit être terre. Apparemment, on n'entend rien. Oui, apparemment, on n'entend rien, mais on sait pas pourquoi, d'où vient le bug. Bah pourtant j'ai rappelé, j'en sais rien. Les bruits de fond c'est peut-être pas à fond aussi. Bah je sais pas, de toute façon j'ai gardé les mêmes réglages hein, donc du coup je sais pas. Peut-être le chat en transparent. Ah bon? Bah pourtant il est toujours en transparent. Hein. C'est bizarre, j'en sais rien. Le chat il est pas transparent. Ouf, la dévocation là du NU. Ouais, les NU apparemment qui rox énormément là. NU feu apparemment. Du coup, le Zobal a pas grand chose à faire, à part peut-être bouclier ses alliés, voilà. Doppel Zobal. Des bandades. Et voilà, encore un poison du SRAM, les poisons du SRAM qui piquent pas mal. Du coup, le SRAM va sûrement continuer à jouer full... entrave. Ah, l'invisibilité du sacri. Ouais, c'est bien joué ça. Pour la coop et pour se protéger, ouais, ça c'est bien vu, franchement. Bien joué de la part du SRAM, sûrement. Ouais, sûrement une technique préparée avant même le combat. Ouais, non, mais c'est bien. Enfin. C'est bien joué quand même de jouer invisibilité sur le sacré, du coup il va pouvoir coop sans se faire frapper derrière. Voilà, apparemment le Yop qui décide de foncer directement déjà. Et du coup la bombe de Roubinet qui a été tuée là. Ouais, je pense que la bombe était pas forcément très bien placée. Bon, encore une bombe. Qu'est-ce que va faire le Roublard? Le Roublard qui décide donc de péter ses deux bombes, du coup il va pouvoir un peu se booster. Voilà, boost PM. Je sais pas s'ils vont décider de coop Lozin. Lozin a quand même pas mal de résine. Et du coup, ouais, mais le truc c'est que focus un autre personne que Lozin, ça peut en être une résurrection. Et du coup, c'est, je sais pas. Mais le truc c'est que Lozin a quand même pas mal de résine. Du coup, c'est un peu hésitant. Oh, Loza qui s'est pas vraiment bien placé là. Une attirance va suffire. Et du coup, ça va permettre au sacré sûrement de garder sa coop. À moins qu'il décide de coop et de revenir.
Oula, le Doppel qui a trouvé le. Ouais, mais bon, le sacré, il joue directement là, donc bon. Ouais. Ça va pas. Ça va pas changer grand chose. Du coup, je pense que le sacré là va attirer le Loza, vu son placement. À moins qu'il n'y ait un piège répulsif entre les deux, mais ça m'étonnerait. Ah bah non, bah carrément une coop. Du coup, le sacré qui est invisible. Voilà, il maîtrise. Peut-être une carry pour le sacré. Puisqu'il joue terre. Ou alors plutôt des dagues. Oh, le sacré. Non, le sacré là qui a bougé. Ah voilà, bah ça c'est bien vu. Voilà, Loza qui est donc désormais dans le camp de Hagrid. Loza qui ne va pas subir de gros dommages, puisque vu ses résistances. Ouais, ça va être difficile de roxer Loza. Ouf. Du gros rox pour le. Le steamer là. Ça c'est bien joué. Et voilà, le roublard qui a été ramené du coup dans le camp de Ménalt. Le roublard qui joue en plus dans assez longtemps, peut-être un sac pour essayer de protéger le roublard. Ouais, et ça serait. Rien faire pour le chat, désolé. Pourtant ça fonctionnait bien par avant, mais du coup je sais pas. Sûrement un sac pour les nuls là. Ouais, non, une corrupte sur le Zobal. Ouais, c'est pas mal joué ça. Comme ça le roublard va pas subir grand chose. Ouais, c'est bien vu ça. Au moins ça évite que le Zobal bouclier le Zor. Ça va, une alerte sur mon téléphone. Je te jure, on peut pas être tranquille ici. C'est pas possible, ça m'agace. Bon, Loza apparemment qui a été focus malgré ses résis. Du coup, Loza qui doit sûrement être taclé. Peut-être un rock sur le roublard pour le Diop. Le roublard qui ouais, il subit pas énormément. Il a quand même 74 résistance fixe. Ah oui, Romain, t'as mis le tapette qui te dit bonjour. Bah bonsoir. Hein. Elle n'arrête pas de me spammer, donc je vais te faire. Le catcher qui c'est. Moi aussi je sais c'est qui. Voilà, du Rox encore une fois, maîtrise. Et du coup le roublard voilà qui retourne donc dans son camp, puisque au précédent tour il avait pas mal été ramené par le steamer. Oh, le roublard bot là. Roublard bot qui va peut-être dégager le yop. Ah oui, parce qu'il y a la coco qui va arriver proche un tour. Ouais, ça serait logique, ouais. Ah. Voilà. Ceci dit, il a 12 PA, donc un bon coco peut faire. Ouais, mais le truc, c'est que ce qui serait bien joué pour Hagrid, ça serait de maladresse de masse. Du coup, ça enlèverait peut-être des PM au Yop. Romain, est-ce que tu peux rien faire pour le chat parce que. Hein est-ce que tu peux pas le rendre transparent? De quoi? Non, je peux rien faire. Rien faire? Non. Sinon, je prends là. Et au prochain tour, hein, si ça gêne vraiment. Bah, je sais pas, mes réglages ils ont été changés ou j'en sais rien parce que ça bug et je sais pas, franchement, il pète un câble. Comme tu dis, depuis qu'on est sur la TV3 là, ça arrive pas de bug, la TV4 tout allait bien. Ouais, j'en sais rien, pourtant j'ai pas touché au réglage, j'ai juste changé le mot de passe et puis le nom de la TV, c'est tout. Et... Je savais pas que changer un mot de passe ça faisait bugger une TV, mais bon. Mec, en plus, on bat des records ouverts. C'est déjà pas mal alors. Ah ouais, c'est dommage de bugger en plus. C'est embêtant quand ça fait ça, sérieux. Ah, une baguette pour le. Encore une baguette éternelle. Sûrement une baguette éternelle neutre d'ailleurs pour le sacré.
Comme Loza, peu de résistance neutre, ouais. Sacré va pouvoir rox pas mal. Voilà, un transfert de vie. Du coup, le Doppel Zobal, c'est pas trop mal placé pour Hagrid, puisque le Roublard va pas pouvoir être attiré en diagonale avec le Steamer. Une tactirelle. Ah, une idée, voilà. Encore une attirance, voilà, une marée sur le Roublard. Sûrement un sac pour le les nus. Ah non, même pas une pelle. Peut-être du rox pour les nus, double des invocations. Ah non, même pas. Ah non, il est de paix, il essaie de faire l'osa au maximum pour éviter la réaction. Hop, une grosse réponse qui fait. Ah, ça c'est bien vu ça. Ça va protéger la colère du coup. Enfin, ouais, c'est bon, là voilà, la colère esquivée. Voilà, ce qui est où pour faire parce qu'il y a que l'état pesanteur pour 100 PM. Oula, on a oublié qu'il prend pas mal de dommages. Ouais, malgré ses 70 résistances poussées. Hein. Sur son bouclier lancé par le Zobal, du coup tout le monde a 500 points de bouclier. Qu'est-ce que va faire le SRAM? Peut-être un sacrifice pour le sacri sur le Roublard dès son tour de jeu. Ouf, Loza là qui a pas mal ramassé, Loza qui n'est désormais qu'à 2048 points de vie. Hein. Du coup moi je dirais que Hagrid est pas si mal parti que ça. Hein. Malgré que le Roublard, a pas mal subi, il y a encore le sacrifice. Bon, c'est vrai que là le Roublard va ramasser gros. Voilà. Bon, il y a quand même le point de bouclier du Zobal. Ouf, le Roublard là qui va subir de lourds dommages. Bon, pas énorme hein, finalement. Voilà, le Roublard qui va donc sûrement se protéger pour éviter les frappes de Loza. Et ensuite pouvoir se faire sacrifier par le sacri. Ouais, le Roublard, je le rappelle, qui n'a pas de PM hein, suite à la retraite anticipée. Ouais, mais ça l'empêchera pas de faire quoi. Bah, du coup, c'est bon, là, le sacri va pouvoir sacrifier. Et du coup, je pense qu'Hagrid va pouvoir peut-être prendre l'avantage. Invocation du traqueur pour les résistances. Ouais, un dragonnet, sûrement pour debuff. Même pas de debuff apparemment. Et non, aucun debuff pour le dragonnet. Enfin, invoquer un dragonnet là-dessus, ça peut-être pas. Ça aurait peut-être été plus intelligent de garder le dragonnet pour debuff le Roublard s'il venait à être sacrifié. De toute façon, là c'est sûr, hein, le sacrifice il va sortir. Voilà, sacrifice. Mais du coup, faudrait que le Roublard soit dégagé de là, puisque avec les dommages poussés, il risque de mourir. Ouais. Peut-être une erreur pour Grid là. Une épée apparemment, pour occuper un peu. Du coup, je pense que Hagrid sont peut-être en difficulté là. Si le Roublard venait à être focus avec les dommages poussés, en plus il y a le Yob qui intimide. Ouais, il y a moyen que le Roublard tombe. À moins que le Lénur sac, histoire de protéger des dommages poussés. Ouais, en plus le Zobal joue avant. L'Enu qui a en plus déjà sorti sa corrupte, donc pas de corrupte plus debuff. Ouais. Ah, l'Enu là qui en fait va faire. Bah, pas grand chose hein. Ah, il a moins 100 PM donc. Bah, il va essayer de finir le premier.
Ouais, forcément, pour éviter le debuff, il n'a pas été lancé au tour précédent, du coup. Voilà, triple lancé de pièces. Peut-être un petit soin grâce à boîte de Pandore sur le roublard. Non, même pas. À mon avis, là, le Zobal qui va subir. Non, je pense que le blanc, le roublard va pas mourir. Du coup, Fulbert va peut-être pas avoir l'occasion de le protéger. Ouais, je pense que le roublard est mal barré là. Ah ouais, le Zobal qui n'a plus de PA, du coup, le roublard va peut-être survivre. Survivre. Ouf, là. Du coup d'intimidation. Bah, disons que là, ouais, ça dépend après des dommages poussés du Yop. Hein. Ouais, s'il a rien comme dommage poussé, il survivra, ça c'est sûr. Non, mais du coup, dès le. Moins 4 PA. Ah, mais il va quand même pouvoir triple intimidation. Ah non, même pas, bah, apparemment, il a décidé de. Ouf, le roublard qui ne meurt même pas. Mais à 131 points de vie, pas beaucoup. Ouais, bah, dès la perte du sacrifice, à mon avis, le roublard devrait pas tarder à mourir. Si le Zobal se place bien, je pense qu'à mon avis, le Zobal va réussir à finir roublard. Du côté d'Agrid, ça serait pas mal de finir le Loza assez rapidement. Puisque s'il venait à perdre le roublard, ça les mettra en difficulté. Ah voilà, ça c'est bien vu, mais bon, à mon avis. Ouais, apparemment il est pas là, du coup je pense qu'il est. Malgré qu'il est peut-être retourné vers le bas. Ouais, du coup je pense qu'à mon avis le Zobal avec ses dommages poussés va réussir à le finir. Mais qu'est-ce qu'il va faire aussi ? Il va partir vers ses alliés. Bah c'était peut-être une technique, ouais mais bon là de toute façon au pire des cas le Yop finira. Donc du coup je pense que là Agrid est plutôt mal parti. À moins qu'il n'y arrive à finir le Loza assez rapidement. Mais là le crackler gêne donc la ligne de vue de Capitaine Ama. Ouais non mais sûrement pour tuer le crackler et ensuite bague éternelle. Peut-être encore un pied. Voilà, et sûrement un coup de bague éternelle maintenant sur le Loza. Ou le CCA 725. Ouais bah Loza qui n'a que 27% Du coup peut-être que Lupinou va réussir à finir avec ses grosses désinvocations. Et du coup ouais si le roublard meurt, ouais ça va faire du 3 contre 3 à mon avis. C'était même sûr hein, de toute façon un match serré hein, qui les attendait là. Ouais, je pense que Loza devrait mourir là. Après, avec le Zobal qui joue derrière, le roublard d'Agrid. À moins que la gardienne soigne le Loza et du coup. Oula. Ah, ça c'est bien vu ça. Peut-être du Full Rocks pour les nus. Ouais, un cac, peut-être une bague éternelle pour les nus ou alors un cac. Un cac de soin. Ouais mais comment soigner. Ah peut-être un soin. Non même pas. Un coup de cac. Ah oui le dédag on a vu tout à l'heure. Est-ce que les nus va réussir à finir Loza? J'en doute. Bah il a pas réussi, il aurait 504 points de vie. Loza il pleure, t'as vu ça? Il a mal, laissez-le tranquille. Du coup le Zobal va pouvoir protéger Loza. Ouais, une équipe d'Agrid là, assez mal partie finalement. Malgré leur bonne entame de jeu.
Ah. Je vois qu'il y a même pas... Non, apparemment, il n'a pas envie de finir. Ah, voilà, des boucliers pour tout le monde. Du coup, Loza... Ouais, Loza a récupéré pas mal de points de bouclier. Et comme il n'y a personne pour des buffs, ah si, à part... Ouais, les nus, mais les nus jouent vachement loin. Ouais. À mon avis, Liop, là, va finir le roublard. Et je sais pas d'ailleurs si le Yop a relancé sa colère, il me semble pas. Hein. Non. Non, le Yop a pas préparé sa colère. Et voilà, le roublard de Hagrid qui meurt donc. Et du coup, ben, pour le moment, un Ménalt qui mène désormais 4 à 3 face à l'équipe de Hagrid. Ah voilà, la colère là, qui a été repréparée finalement. Du coup, Hagrid est pas mal encerclé et là, ils sont plutôt dans une position de défense qu'attaque. Peut-être du full rocks sur Loza. Ah voilà, l'ennemi qui a été encerclé. Ça serait logique de finir Loza, ce serait... Bah oui, donc pour éviter la résurrection, le point, les... Ouais, mais comment finir Loza avec ses boucliers et en plus là, l'ennemi qui a été encerclé. Il va pas pouvoir libérer parce qu'il va être... À moins qu'il ait de la fuite, une libé plus un debuff sur Loza. A mon avis, là, l'ennemi, il doit sûrement être taclé. Ou alors, un placement peut-être avec le sacré. Oui, il y a un présentateur. Ouais. Peut-être un coup de bague éternelle, du coup, sur Loza. Libé. Même pas, ils ont... Ouf. Non, ouf, ça fait mal. Hein. Le steamer qui a suivi pas mal, là. Une dérobade. Il me semble que le SRAM a... De nouveau invisibilité. Je sais pas ce que va faire le steamer, peut-être du rocks. Voilà, de loin. Puisqu'il y a des robots du coup. Une harponneuse. Ouf, ça rocks là. Mais il me semble que le sac a pas été posé hein, par les nuits hein, depuis non, le. Encore. Peut-être à ce tour-ci. Libé. Je sais pas si le NU est à clé. Ah voilà, bah ça c'est bien joué. 48, du coup il va pouvoir débuff Loza. Voilà, c'est fait. Ouais, Loza qui a récupéré quand même pas mal de points de vie. Et du coup. Ouais, une vita lancée par Liop en plus. Une perte de 846 points de bouclier autour du Zobal. Ah non, bah là, la pelle qui ne décide même pas de ramener l'Oza dans le camp adverse. Ou les nuls là qui subit pas mal. Ah bah oui, il y a eu des robades. Ah ouais, avec les dérobades là. Et là, Hagrid qui est vraiment mal parti là. Je pense que Ménalt devrait gagner assez facilement maintenant. Même si Loza venait à mourir, je pense que Hagrid serait quand même mal. Hein. Est-ce que le SRAM va décider sur un invisible? Non, même pas. Piège répulsif. Maîtrise. Oui, ça pique. C'est vrai que c'est peut-être une bonne technique de roxer le steamer.
puisque ça leur permettrait de revenir à 2 à 2 s'ils arriveraient à tuer le Loza plus le Steamer. Bah là c'est un peu chaud quoi, parce que le fait qu'il vient de tomber. Ah, la limite qui vient de mourir. Et là je pense que le SRAM risque d'être focus maintenant. Ça va être dur pour Ingrid. Du coup, peut-être que le... Soit le Sacri décide de tuer le Steamer, ou alors de Full Rock Loza pour essayer de le finir, mais bon, à mon avis, il va pas le tuer. Après, Speak pour tenter de retirer des PA. Ouais, en plus, le Sacri qui a peu d'esquive PA, apparemment, il a décidé de jouer plutôt esquive PM qu'autre chose. Bah ouais, le truc c'est que il a perdu apparemment. Apparemment, il a sûrement dû mettre un trophée esquive PM, du coup, il a perdu 24, sûrement 24 d'esquive PA. Ouais, et en plus, là, le Sacri qui peut rien faire. Puisque je crois il a cramé sa libé. Ah bah non, mais une coop. Est-ce que le Steamer va finir par mourir grâce à la bagaternelle? Et non, apparemment, encore un tour de jeu pour le Steamer, du coup ça va lui permettre de se régénérer. Des points de bouclier lancés par le Zobal, ouais, je pense qu'à mon avis là pour Agret c'est mort. Malgré tout, le Sacri qui décide d'encercler le Steamer. Voilà, sûrement une TP avec la cabotte. Voilà. Et voilà une évolution 3 pour la gardienne. Du coup, la gardienne va soigner pas mal. Et en plus, une Tekirel l'a placée, vraiment bien placée hein, pour bloquer le SRAM là. Voilà, du coup, du. Oh non, pas des. Pas un énorme soin pour la gardienne. Hein. Encore du point de bouclier. Loza qui va dans deux tours faire sa BTLT. Ouais, ça c'est vrai. Peur, voilà. Qui place donc le Sacri derrière le mur. Full Rocks pour le SRAM. Et voilà, le SRAM qui se rend donc invisible. Du coup, peut-être que Capitaine Amalkna va réussir à finir le Steamer. Peut-être un crapaud plus un soin. Du coup, Loza, c'est pas mal régène. Ah oui, en plus, encore une vitalité. Une puissance. Je sais pas. Ouais, colère de Yop prochain tour apparemment. Ouais. Voilà, crapaud. Oh, et une résistance naturelle. Et on... Plus, ouais, une invocation du bouffe-loup, du coup, le Sacri va être en état pesanteur. Voilà, les invoques qui continuent donc à frapper. Double corbeau. Peut-être un transfert de vie plus une punition. Une attirance contre le mur sûrement. Voilà. Ah non, même pas transfert de vie, carrément une punition directement. Avec une perte de résistance naturelle, le Steamer qui tomberait. Ouais, mais bon, ils ont plus de debuff à Grid, du coup, je pense que le Steamer devrait survivre.
Voilà. Des Daguerri. Des Daguerri, ouais, qu'on a pas mal vu, hein, depuis le début. Ouais. Une gardienne donc qui va continuer à soigner. Ouf, du gros soin là sur Loza. Ouais, Loza qui a quasiment. Loza qui a quasiment été recon, ça. Il a plus 1600 ce tour-là. Le soin, c'est énorme. Ouais, là, le Loza qui a carrément. Enfin, quasiment été recon, là. Du coup, pour. Ouais, bah, Grid, là, je pense que, à mon avis. C'en est fini pour eux. Pas d'écrasante. Puisque le 9ème tour a débuté. Ouais, sûrement encore du rock sur le. Sur le steamer, mais bon, même si le steamer venait à être fini, il y aurait une résurrection. Voilà, le SRAM là, qui continue donc de rocks. Pour essayer. Bah ouais, le... mais apparemment, il me semble que les résurrections, ça compte plus comme 4 survivants maintenant. Ah là, il y a colère de Yop, du coup, je pense que le SRAM devrait mourir. Ou alors même le sacré. Hein. Ouais, peut-être plutôt le sacré. Voilà. Colère de Yop. Et voilà, 4 à 1 pour le moment. Pour Ménalt. Le steamer du coup qui devrait survivre. Ouais, je pense qu'à mon avis, il va y avoir une victoire parfaite. Deuxième victoire parfaite d'ailleurs hein, pour Ménalt. Une jolie équipe, hein, surtout une jolie composition avec pas mal de protection et pas mal de soins. Et voilà, un sanglier, un dragonnier pour debuff, et roxé aussi. Voilà, un petit debuff et un petit rox. Du retrait PA. Double griffe cinglante plus corbeau pour le doppel. Le steamer qui va donc continuer à roxer le SRAM. Ouais, et puis en plus le SRAM là qui a déjà cramé son invisibilité, du coup là je pense que le SRAM aura même pas le temps de finir le steamer, hein, puisque à mon avis là la gardienne va pas mal soin. Ouais, pourquoi pas. Sûrement du soin là. Ah non, même pas de soin sur le. Sur le steamer. Ouais, ça c'est bien joué. De la part du steamer. Ce qui va permettre aux obals de full rocks le. Est-ce que l'IBE sûrement. Est-ce que le. SRAM va mourir. Et voilà, ça y est. Libération et du coup Ménalt qui gagne que donc 4 à 0 en 10 tours face à Grid. Ah ouais, à Grida là qui a pas mal subi hein. C'est dommage, c'était pas mal parti pour Grid et puis finalement ben ils se sont laissés rattraper et voilà.